Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau format pour cette vidéo de High Concept, un format débat où nous allons parler d'un débat un peu d'actualité, à savoir Parole de scénariste, la page Facebook qui a défrayé un peu la chronique dans le monde des scénaristes. On a remanié le scénar ? Zéro. Le problème est cérébral, alors au boulot. Et vous atteindrez le statut d'icône. Bonjour Julie, bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour à tous. On est ravis d'accueillir Julie pour la première fois dans cette émission, puisqu'on n'avait pas eu l'occasion de t'avoir avant. Et ceux qui connaissent le blog de High Concept de la grande époque d'il y a quelques années connaissent tes analyses et ton regard acéré sur le marché. Donc on va être ravis de pouvoir bénéficier à nouveau de ta sagacité. Ravis d'être parmi vous. Voilà, sur après le thème. Après plusieurs maternités. C'est ça, exactement. Donc Parole des scénaristes, on va faire un petit rappel des faits rapide, ça ne se veut pas exhaustif. 1er décembre 2020, une page Facebook fait son apparition qui s'appelle Parole de scénariste, qui consiste en fait à recueillir des témoignages de scénaristes sur leur profession et sur les griefs ou les plaintes qu'ils pourraient avoir par rapport au métier, où on nous parle d'invisibilisation, de réappropriation du travail, de manque de représentativité, de rapport de force défavorable, et ainsi de suite. Et puis c'est un site qui fait assez rapidement florès, alors qu'il est lancé à l'origine par Sabrina Karine, qui est une scénariste, on va dire, confirmée du sérail, hein, si j'ose dire, sans connotation péjorative, c'est une scénariste avec de la bouteille, et qui se fait donc l'écho de ces témoignages. Le site a assez rapidement un vif succès, avec beaucoup de témoignages, et puis des relais, des articles qui en parlent, Télérama, Marianne, également des blogs vidéo qui se mettent à aborder le sujet, et on voit même un début d'action avec des pages wiki de personnes incriminées dont le profil est modifié. On nous explique par exemple que l'activité d'un tel est le plagiat et le vol, en plus de l'activité de scénariste. Donc il y a un petit peu de règlement de compte dans l'air. Et puis on a également le site Allociné qui nous explique qu'il va faire une part un petit peu plus belle aux scénaristes dans les crédits tels qu'ils sont représentés sur leur site. Bon, est-ce que ça fait vraiment bouger les choses ou pas? Mais en tout cas, il y a une onde de choc, et une onde de choc qui se transmet même à la Belgique, puisqu'on voit apparaître début mai une page, une réplique en fait de la page française Parole de scénariste, mais cette fois-ci Parole de scénariste Belgique, et on apprend que la maltraitance des scénaristes serait visiblement un petit peu un produit aussi d'exportation française, puisqu'il y a des Français là-bas qui semblent avoir une influence pas forcément positive sur le marché en introduisant des us et coutumes réprouvés par les scénaristes belges. Et puis la polémique continue jusqu'à récemment, où on a eu l'intervention de Caroline Bongrand, co-scénariste du film Eiffel, qui elle aussi, dans un témoignage, se fait l'écho de certaines pratiques. Elle explique par exemple comment, à un moment donné, Besson, qui est intéressé par son projet, lui explique qu'il est partant, mais que son nom doit disparaître à son profit, puisqu'il n'y aura que son nom qui sera conservé. Et encore, on va dire sous forme de boutade, que Besson a au moins le mérite d'être clair, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde dans le métier, semble-t-il. Alors, je vais vous laisser réagir. Et évidemment, nos réactions, elles n'engagent que nous. Hein, on ne prétend pas parler au nom de la profession. On aura peut-être des propos à teneur polémique. On vous engage en tout cas à réagir à nos propos en commentaire, si vous avez des remarques. Et donc, Julie et Cédric, j'ai envie de vous poser la question tout de suite. Ce que vous avez vu sur le site, sur Parole de scénariste, j'en dis pas plus parce que vous pouvez évidemment aller voir le contenu directement sur la page, mais est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous-même, par rapport à votre vécu personnel, ça entre en résonance avec ce que vous avez pu vivre? Est-ce que ça vous paraît représentatif aussi de la profession? Alors, surprise, non. La petite nouveauté, c'est que ça atteint un public de non-scénaristes, c'est-à-dire que j'ai des amis qui m'ont retransféré certaines interviews, certains messages en me disant « Ah, t'avais raison, c'est ce que tu nous dis depuis des années. » Donc, tous les scénaristes qui ont un petit peu de bouteille connaissent les us et coutumes de la profession. C'est pas non plus circonscrit à la France. Hein. Les Américains, bien avant nous, ont aussi été... Enfin, les scénaristes américains ont été aussi les parents pauvres. Et donc, je vais faire cette blague qui, aujourd'hui, va être taguée de sexiste. Mais c'était une vieille blague américaine. À quoi reconnaît-on une actrice débutante? C'est celle qui couche avec le scénariste. Sous-entendu, le scénariste n'a donc aucun pouvoir, aucun autre genre, et c'est pas celui avec qui il faut être copain. Si on veut percer dans ce métier,
À chacune de mes interventions, donc j'étais intervenue par exemple en 2015 sur Série Série à Fontainebleau, ou dans le cadre par exemple l'année dernière dans un forum La fiction et le développement durable, on m'avait demandé mais pourquoi les scénaristes n'arrivent-ils pas à imposer des sujets sur le développement durable en fiction, etc., etc. Et je faisais toujours la même réponse, mais c'est pas le scénariste qui décide. Donc non, ce n'est pas nouveau en termes de vécu personnel, bien évidemment. Que je partage avec mes collègues toutes les formes de maltraitance, bien que quand on est un petit peu au courant, ben on sait de quoi il en retourne et on n'arrive pas comme une oie blanche face à un producteur qui va tout de suite vouloir vous remplacer, vous donner un co-auteur que vous avez pas choisi, vous dire que c'est votre projet est très bien mais que vous pouvez pas le mener à bout parce que vous ne sauriez pas l'écrire alors que vous êtes quand même celui qui lui a apporté le projet et qui l'a convaincu, etc., etc. Représentatif, bah oui, je vais laisser peut-être Cédric compléter ma réponse. Donc la réponse est non, pas surpris. Oui, un écho qui dépasse le monde des scénaristes. C'est peut-être ça la nouveauté, et des scénaristes un peu plus aguerris qui mènent le combat, même si voilà, il y avait déjà eu Vincent Maraval qui avait jeté un pavé dans la mare il y a quelques années en dénonçant que les acteurs étaient un petit peu trop payés, sous-entendu qui est le moins payé dans l'histoire, c'est le scénariste, etc., etc. Je laisse Cédric continuer et apporter des compléments à ma réponse. Oui, alors représentatif de quoi ? Ce qui est étonnant, c'est que ça revienne maintenant. Effectivement, ça fait 20 à 30 ans. C'est un marronnier presque. Oui, c'est un marronnier. Moi, je fais partie des cofondateurs de la Guilde des scénaristes et il y a déjà plus de 10 ans, on entendait cela. En fait, c'est représentatif d'une chose qui est que... Enfin, l'œuvre audiovisuelle n'est pas une œuvre comme les autres. La propriété intellectuelle, c'est vrai, donne un droit moral et... un fort pouvoir à l'auteur, mais l'œuvre audiovisuelle est une œuvre de collaboration qui ne peut pas se faire sans des moyens importants, et la loi elle-même minimise le droit moral d'un scénariste. En fait, ce qui est représentatif d'une chose, c'est qu'on est dans une industrie. En fait, j'ai l'impression que... parce que ce qui est surprenant, c'est qu'on en revienne à ce constat qui est connu de tous. Pourquoi ça revient maintenant sur le devant de la scène ? Eh bien, j'ai l'impression que il y a une découverte, il y a un profond changement du marché français. On découvre que la fiction est une industrie parce qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent avec des méthodes à l'américaine, comme on peut dire. Et donc, dans une industrie, j'ai envie de dire que il y a une lutte de pouvoir, et aujourd'hui, les scénaristes n'ont pas ce pouvoir, et certains le découvrent maintenant. Pour l'instant, le pouvoir n'est pas entre les mains des scénaristes. Peut-être ce qui est nouveau, je rebondis sur ce qu'avait dit aussi Cédric, c'est que aujourd'hui, ce constat de déséquilibre flagrant entre un scénariste sous-traitant ou prestataire est fait par des scénaristes qui ont la carte, comme on dit, c'est-à-dire des scénaristes qui travaillent. Et qui était dans le petit entre soi de la fiction française, où en gros une cinquantaine de personnes écrit quasiment toutes les fictions, et le gâteau est mangé toujours par les mêmes. Ça c'était un petit peu c'était les nouveaux entrants qui déploraient les conditions exécrables de travail. Et aujourd'hui, peut-être le changement, c'est qu'on a l'impression que c'est plutôt entre guillemets les stars ou peut-être les scénaristes très aguerris qui font vraiment partie de ce métier et qui font le métier, qui découvrent tout d'un coup des conditions de travail différentes. Alors, quid, Cédric ? C'est ça. Pour donner un exemple très concret, lorsque j'étais au conseil d'administration de la Guilde des scénaristes, nouvellement créée, il y avait donc une problématique qui était soulevée, là aussi un marronnier, on devrait fixer... Des rémunérations planchées pour que les scénaristes ne se fassent pas exploiter, etc. Et j'avais, à mon grand étonnement, vu une opposition frontale de la plupart des membres du comité, quoi, qui étaient en fait des scénaristes aguerris, comme tu dis, qui ont la carte, et qui m'ont immédiatement dit,
ça va diminuer. Ça va du faire coup, baisser le tarif. La rémunération des riches. Voilà. Eh bien, ces gens-là, en fait, comment dirais-je, maintenant, j'ai l'impression que ça va impacter également les gens qui avaient la carte. C'est-à-dire que voilà, le marché devient violent pour tous. Voilà ce que ça peut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, les conditions s'appliquent à tous. J'ai l'impression, quel que soit le niveau, à part voilà quelques stars qui auront toujours la possibilité de faire ce qu'elles veulent parce qu'elles sont des stars et qu'elles ont chèrement payé peut-être leur position actuelle, mais à part quelques personnes gratta triées sur le volet, les autres vont être aux mêmes conditions de travail, de rendu, de tarifs, puisque les tarifs commencent à être un petit peu figés aussi, et qu'on voit moins de rémunérations spectaculaires ou un peu vraiment disparates, comme ça a pu être le cas ces précédentes années. Voilà. Alors si on essaie d'analyser un petit peu, de diagnostiquer, c'est-à-dire d'aller au-delà des constats, je vous propose de regarder une vidéo avec Abdel Raouf Dafri. Alors pour resituer le contexte de la vidéo, parce que c'est une vidéo qui n'est pas récente, c'est une vidéo qui date de l'époque de son film, enfin du film dont il a été le scénariste, Gibraltar. Et à l'époque, il avait eu justement maille à partir avec le réalisateur du film, Julien Leclerc. Donc l'extrait que vous allez voir porte pas spécifiquement sur cette bisbille avec le réalisateur, mais elle est révélatrice, on va dire, de ce que pensent pas mal de scénaristes sur l'idée que les scénaristes en France ne sont pas respectés, qu'ils le seraient peut-être plus, on va voir si c'est le cas ou pas, aux États-Unis par exemple. Et c'est pour ça qu'on a les films que nous avons en France, tandis qu'aux États-Unis, le scénario, c'est ce qu'il y a de plus sacré. C'est la Mecque pour un musulman, c'est le Vatican pour un catholique, le scénario, pour les gens du cinéma. C'est très important, le scénario. Donc, vous avez des jeunes qui arrivent en école, en université. Alors, on ne sait pas s'ils vont devenir des grands scénaristes, mais au moins, il y a un cursus universitaire expliqué par des professionnels. Sans le petit côté chichiteux, pseudo-intello, on parle de manière pragmatique. Qu'est-ce que c'est que raconter une histoire? Et aujourd'hui, en France, on a perdu ça. Et en plus, on dévalorise. Alors les mecs, ils n'ont pas envie d'être scénaristes. Ils sont dévalorisés, ils ne sont pas respectés. Je peux comprendre qu'ils n'y vont pas. Moi, ça va, j'ai réussi à faire des trucs. Et puis je donnais le coup de poing et j'envoyais... On va pas m'expliquer à moi ce que c'est que raconter une histoire. On va pas me dire, ouais, tu... Non, non. Alors Abdel Raouf Dafri nous parle de respect, peut-être aussi d'un problème de formation, voire de mentalité en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors le respect, pour avoir travaillé ailleurs que dans l'audiovisuel, je ne sais pas si c'est une valeur qui est très partagée dans le monde du travail, en tout cas peut-être pas forcément quand on est salarié, même à un niveau, on va dire, assez élevé de cadre, je ne sais pas. Peut-être que chez les scénaristes, il y avait peut-être des attentes par rapport à la... peut-être au cinéma d'auteur, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu enjolivé la position de l'auteur, qui aurait un message à apporter au monde, qui aurait un vécu particulier, etc., etc. Et du coup, un nouvel entrant a l'impression peut-être qu'on aurait dû lui dérouler le tapis rouge tout simplement parce qu'il a envie de s'exprimer. Tout le monde a envie de s'exprimer, tout le monde pense quelque chose. Et le respect particulier dû peut-être à un scénariste n'a pas d'intérêt en soi pour des gens qui travaillent dans une industrie et qui doivent fournir du contenu. Le vrai point soulevé, c'est peut-être le problème de la formation. Effectivement, aujourd'hui, si le rapport est aussi défavorable aux scénaristes, c'est peut-être parce que les scénaristes n'ont pas su imposer une légitimité de leur savoir-faire par rapport à ce qui leur est demandé. Et là, je repense, par exemple, à une sortie il y a quelques années de Rodolphe Belmer de chez Canal+, qui avait justifié l'emploi de scénaristes américains par le manque de savoir-faire des scénaristes français, en disant, oui, mais c'est pas ma faute si j'emploie des étrangers, c'est qu'en France, on sait pas faire. Alors ça aussi, c'était un marronnier, en France, on sait pas faire. Alors, il n'y a pas de scénariste qui sait écrire des séries ou des films en France. Alors c'est sûr que si on demande à des romanciers, même célèbres, d'écrire des séries, oui, ça peut commencer à poser problème. Et là,
je cite Emmanuel Carrère qui avait été embauché sur Les Revenants, et Emmanuel Carrère, tout magnifique romancier qu'il est, avait pas forcément une formation d'auteur de séries longues récurrentes sur du high concept de science-fiction. Enfin, je veux dire, il s'était fait sortir comme un malpropre par un conseiller de programme de 20 ans son cadet, et il l'avait très mal vécu. Il s'en était d'ailleurs exprimé dans la presse, donc ça montre bien aussi qu'il avait les moyens en tant que star de pouvoir se plaindre dans la presse. Quand un scénariste lambda se fait sortir d'un projet, il va pas se plaindre dans le Figaro ou même dans Première. Donc formation, c'est aussi un marronnier. On dit qu'il n'y a pas de bons scénaristes en France. Oui et non. Pourquoi y a-t-il des écoles de cinéma, pourquoi enseigne-t-on chez High Concept au Conservatoire d'écriture européen audiovisuel? Pourquoi n'engage-t-on pas des scénaristes dont la spécificité est bien l'écriture récurrente pour écrire des séries récurrentes? Parfois, on se demande le choix de certains conseillers de programme. Problème de mentalité, oui et non. C'est-à-dire qu'à la fiction française, pour moi, alors après Cédric pourra me corriger si j'ai tort, mais c'est un petit peu le jeu de à qui la faute. C'est-à-dire chacun se renvoie la patate chaude en disant ouais mais c'est pas ma faute, c'est la faute au mauvais producteur, c'est la faute au mauvais scénariste, c'est la faute au mauvais diffuseur. Enfin, chacun en prend pour son grade, et du coup c'est la faute de tout le monde si on n'arrive pas à faire des bonnes séries, le scénariste se plaignant du méchant producteur qui l'évince ou qui le traite mal. On se souvient je crois que c'est Emmanuel Carrère qui avait écrit Le Chèque. C'était un livre où il racontait ses déboires de scénariste de long métrage, où il n'arrivait jamais à se faire payer. Enfin bon, donc c'est ça fait 20 ans. Enfin, je veux dire. Donc du coup, même un auteur star a aussi du mal à récupérer ses deniers, tout simplement parce que le scénario n'est pas inclus dans la structure de production, enfin dans la structure de dotation actuelle, et que le producteur doit mettre un petit peu de ses fonds personnels. Or, si vous savez un petit peu comment fonctionne le marché audiovisuel, aujourd'hui, facialement, les producteurs mettent 15% à peu près du devis, le CNC 10%, et le reste est mis plus ou moins par les chaînes, soit en frontal, soit en préachat. Donc la chaîne se retrouve à financer quasiment 75 à 80% du budget, et en fait ce qui est mis par le producteur est souvent son crédit, enfin le crédit d'impôt plus ses aides exceptionnelles ou l'aide récurrente du COSIP qu'il a emmagasiné, et qui est aussi une aide, qui n'est pas son propre argent. Donc 100% quasiment des budgets des films ou des séries est fait avec l'argent du diffuseur et de l'État. Il ne met jamais son argent sauf pour payer la moitié, parce qu'il se rembourse par d'autres aides sur le scénario la plupart du temps, mais c'est quand même lui qui doit sortir l'argent pour payer au départ le scénariste. Et là, ça pose problème. Après, aux États-Unis, les auteurs se sont plaints aussi effectivement de certaines conditions de rémunération qui n'étaient pas optimales, et ont fait une grève, par exemple, pour pouvoir toucher eux aussi leur part du gâteau sur les produits dérivés. Les scénaristes de Plus belle la vie s'étaient fait complètement évincer de ce gâteau-là et s'étaient plaints dans la presse. Je ne sais pas s'ils ont pu récupérer un petit peu du gâteau, si en produits dérivés, Cédric me fait oui. Donc ils ont pu récupérer, mais en tout cas au départ, on leur avait pas demandé leur avis, comme aux États-Unis d'ailleurs, les producteurs avaient dit les produits dérivés, c'est tout pour nous. Donc peut-être que le problème se situe plutôt au niveau du marché, de la structure de production et du rapport de force induit par ce marché, qui fait qu'aux États-Unis, les producteurs mettent quand même 50% du devis, alors qu'en France, ils ne le mettent pas et se remboursent sur leur enveloppe des frais qu'ils engagent a posteriori. Mais du coup, ce qui pourrait aussi expliquer pourquoi le scénario est le parent pauvre de la structure de production française. Je laisse Cédric rebondir, au pire Antoine. À mon avis, effectivement, il y a aussi un problème de mentalité derrière, qui est que il y a un énorme quiproquo dans cette histoire. Quand on est scénariste, on fait une œuvre, c'est vrai, mais comme je l'ai dit, c'est une œuvre audiovisuelle. Ça n'est pas un droit
de s'exprimer et de faire un film. C'est trop cher. On est dans une industrie, enfin, en tout cas, dans quelque chose qui est lourd en termes de production. Et donc, il y a quelque chose, à mon avis, qui est de la prise de conscience, là, que on est sur un marché, pour l'instant, qui fait des fictions avec des scénarios parce qu'il en faut. Il faut bien un support, mais fondamentalement, on n'est pas dans un marché de l'offre. On n'est pas piloté par le contenu, en fait. C'est ça, voilà, on est sur un marché de commande pour l'instant. Donc, en fait, le scénariste est le mal nécessaire. Il faut bien trouver un projet à tourner. Il y a des sommes qui sont garanties, comme l'a décrit Julie. Il y a un marché qui est captif. Enfin, il y a des quotas. Hein, il y a des quotas. Sinon, on n'en ferait pas. Voilà. Donc le scénariste, en fait, est un mal nécessaire pour tout le monde. Le scénariste embête tout le monde. C'est le seul argent qui est sorti pour de vrai par le producteur ou quasiment. Oui. Et c'est le moment où il faut attendre très longtemps un projet. Donc le scénariste va mettre 3 mois, 6 mois, peut-être 3 ans pour sortir des épisodes d'une série, voilà. Et il faudrait en plus faire semblant et respecter ses desiderata. Donc en fait, il y a une espèce de, il y a un quiproquo dans cette histoire, c'est que on a fait comme si. Ah là, on entend qu'il y a un bébé dans la salle d'enregistrement où on est. Donc on va pas mentir, effectivement, il y a un bébé qui participe au débat. Si vous entendez des bruits derrière, c'est pas qu'on est en train de trucider. Enfin, si, on trucide des idées reçues, mais elles font pas de bruit. Aucun bébé n'a été maltraité. Voilà. Et le bébé n'a pas été maltraité. Donc, en fait, on a fait comme si ce qui était important, c'était l'œuvre et le point de vue de l'auteur. Aujourd'hui, on découvre que le point de vue de l'auteur, tout le monde s'en fiche. Et que, en fait, être scénariste, ça n'est pas ça. Être scénariste, c'est avoir un savoir-faire qui va plaire à une industrie. Et passer en douce ses obsessions d'auteur. Être un scénariste, c'est être un auteur qui dépend d'autres auteurs. Être scénariste, c'est travailler avec des auteurs qu'on ne verra pas. Être scénariste, c'est faire une œuvre qui sera finalisée par des gens 3 ans plus tard. Qu'on connaît pas. Donc, être scénariste, c'est passer le ballon. Et donc là, les scénaristes, c'est finalement. C'est un maillon d'une chaîne, ouais. C'est ça. Et donc, le travail ici, à mon avis, il y a un problème de mentalité qui est en train de changer. C'est que, on a un peu l'impression, je vais être un peu vulgaire, mais ça me fait vraiment cet effet-là, de la bonne sœur qui débarque dans une partouze et qui est choquée. C'est, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'es pas dans le bon endroit. Enfin, voilà. Là, c'est, quand je vois des remarques en disant, on m'a pas considéré, mais c'est parce que, le marché va faire que finalement le comme il n'y a pas de compétition sur le contenu, un producteur aujourd'hui, il n'a aucun mal à trouver un projet pour parler de tel ou tel truc. Enfin, il y a peu de tuyaux, il y a une concentration des diffuseurs. On parle même de fusionner TF1 et M6, qui prouve le gâteau se réduit à quelques diffuseurs qui peuvent produire de la fiction, parce que tout le monde peut en acheter, ça dépend à quel prix et voilà. Mais sur la partie production, ils sont 4, quoi. Voilà. Hein, donc ça veut dire que il y a 4 clients. Quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup plus d'auteurs que de projets à faire, comprenez. C'est qu'il y a peut-être au maximum 4 séries originales, foncièrement originales par an pour l'instant, qui sont produites réellement. Voilà. Donc, a priori, comme il y a autant de monde qui veut travailler et aussi peu finalement de guichets, c'est pas le scénariste qui va faire la loi. En tout cas, a priori, parce qu'il y a peut-être un moyen de se sortir par le haut de cette situation. Peut-être qu'on peut parler de la solution au problème aussi. On va y arriver à la solution, effectivement. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est quand on entend les critiques que s'adressent les différents acteurs les uns aux autres, chaque critique prise isolément est pas forcément absurde. C'est-à-dire que ce que disent les producteurs sur les scénaristes peut tout à fait se comprendre. Mmh. Ce que disent les producteurs sur les diffuseurs peut se comprendre. Ce que disent les diffuseurs sur les scénaristes et les producteurs peut se comprendre aussi, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui, moi, m'interpelle, c'est le caractère un peu pervers du système. C'est-à-dire qu'en fait... pourquoi est-ce qu'on fait des séries télé? Parce que c'est un programme qui coûte cher. On peut rappeler que ça coûte, en gros, pour faire simple, en France, ça coûte 1 million d'euros l'heure de production. Voilà, c'est ça. À la grosse louche, hein, une série premium sur TF1, c'est un peu plus, mais ça donne une idée. Il y a aussi des séries beaucoup moins chères, mais ça donne une idée. À titre de comparaison, pour des scores d'audience équivalents, voire bien supérieurs, la télé-réalité, ça coûte 3 fois moins cher. Ouais. Et donc, effectivement, en termes de couple risque-rentabilité, se pose la question de savoir quel est l'intérêt de faire une série télé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, aux États-Unis, les réponses sont là, en fait. Il y a vraiment une raison fondamentale pour laquelle on est obligé de faire les séries télé, c'est qu'il n'y a aucun programme qui n'est à ce point vecteur d'image pour un diffuseur
que la série télé. Aucun. C'est-à-dire que qui se souvient de la chaîne qui a diffusé pour la première fois Big Brother en télé-réalité ? Personne ne s'en souvient. Enfin, on sait que c'est Endemol, on connaît la boîte de production, mais personne ne se souvient du diffuseur. Par contre, pas grand monde, je pense, en France ne connaissait Netflix avant House of Cards. House of Cards déboule, le monde entier connaît Netflix. Et donc, il n'y a pas d'investissement plus rentable que la série télé quand on est dans un univers concurrentiel. Mais encore faut-il être dans un univers véritablement concurrentiel. Oui. Et comme en France, on est plutôt dans un univers sous-concurrentiel, ou en tout cas avec une concurrence à fleur et mouchetée, avec des acteurs assez concentrés. Alors, ce que je dis est relatif. Non, mais même, ils avaient choisi leur soirée de diffusion. Chacun avait sa soirée. Alors après, ça, c'était, ils tiraient tous en même temps. Et donc, on pouvait comparer plusieurs fictions françaises en même temps et voir qui gagnait. Aujourd'hui, on n'en est plus là, quoi. La télé est regardée par les cinquantenaires, les soixantenaires. Les gens regardent d'autres supports, notamment sur Internet, Netflix, tous les opérateurs privés. Donc effectivement, pour qui est faite la fiction française? Par qui est faite la fiction française? Quelle est sa logique économique? Ça, ce sont des questions aussi que les scénaristes doivent se poser, parce qu'on peut pas faire fi du marché dans lequel on travaille. Et le problème de mentalité, il est là aussi. C'est-à-dire que peu de scénaristes sont vraiment conscients de la structure de production de leur propre industrie. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment est financé de façon très précise les projets sur lesquels ils contribuent ou ils contribueraient. Et ça, c'est un véritable problème. Moi, je me suis souvent retrouvée assez étonnée de d'être avec des gens même assez aguerris qui n'avaient qu'une très faible conscience du nombre d'acteurs potentiels du marché, de leur chiffre d'affaires, de la façon dont ils travaillent, de qui sont les dirigeants, enfin, qui sont les décisionnaires, qui prend les décisions, qui va donner son feu vert. Ça, il faut le savoir quand on travaille dans cette industrie, parce que il faut maximiser sachant que c'est difficile de faire des fictions, il faut donc maximiser ses efforts pour essayer de convaincre la bonne personne. Qui est la personne à convaincre dans notre industrie? Voilà. Qui va répercuter un bon pitch? Où faut-il aller? Dans quel salon professionnel? Qui on doit rencontrer? Tout le monde se presse autour des diffuseurs dans les différents salons qui sont littéralement harcelés. Il y a des phénomènes de cours, on se croirait à Versailles. Et c'est en Versailles que je parle. Est-ce que c'est la bonne façon de placer ses projets, etc., etc. Donc ça, c'est des questions, à mon avis, que peu de scénaristes se posent et qui, au contraire, devraient être très au clair là-dessus. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Est-ce que le problème, c'est que les scénaristes intériorisent le fait que le marché est extrêmement étroit et donc, quelque part, ils en font leur... ils l'intériorisent et donc, ils ont plutôt des concepts, on va dire, sous-innovants parce qu'ils savent que le marché n'est pas prêt à les digérer? Ou est-ce qu'il faut anticiper un changement de marché et, au contraire, dire... est-ce que ça réactive pas plutôt la piste de scénarios ou de scénaristes plus innovants? Toutes les pistes ont été essayées, j'ai envie de dire. Il y avait des appels d'offres gratuits où fallait travailler gratuitement, envoyer son pitch, que ce soit du chômage, enfin, de l'assurance chômage qui organisait ça au festival pour les scénaristes, etc., etc., pour gagner un prix qui pourrait peut-être propulser l'auteur, très hypothétiquement, vers un producteur. Toutes les rencontres possibles et inimaginables. Les séances de pitch avec des producteurs qui se disaient intéressés par des projets. Donc, l'écriture de groupe. Donc, à un moment, ils avaient essayé de faire une écriture en groupe. Ils voulaient faire écrire ça par des robots. Tout pour se passer du scénariste encombrant. Je me souviens quand je suis sortie de mon master média à l'ESCP. J'avais fait ma thèse avec Jean-Pierre Guérin à l'époque qui travaillait chez patron de GMT Productions. Et j'avais comparé le système américain et le système français. Et il me disait, oui, les scénaristes sont encombrants. J'avais une série dont j'ai oublié le nom sur France 2. J'avais un auteur. Et puis, 3 ans plus tard, quand je suis allée le retrouver pour faire la suite, il était plus disponible. Ah bah oui, l'auteur, pendant 3 ans, il s'était pas tourné les pouces en attendant que le producteur revienne le chercher, quoi. Et ça oblige les auteurs à avoir effectivement plusieurs projets en ligne parce qu'ils peuvent pas se permettre, c'est tellement aléatoire que pour en vivre, voilà, il faut pas être suspendu à un projet.
Quel auteur a la chance d'avoir des séries récurrentes qui reviennent tous les ans pendant X années, enfin très très peu quoi. Donc c'est vraiment un métier de précarité. Allez chercher un prêt chez votre banquier en étant scénariste, créateur de contenu, vous allez voir quand vous allez être reçu. Donc oui, y a un vrai problème de mentalité, de structure du marché et d'attente qui sont pas corrélées à une réalité, celle de d'une multiplication de la concurrence, des acteurs nouveaux qui arrivent comme les GAFA, qui viennent écraser littéralement les budgets. Hein. C'est sûr que quand on parle de milliards par rapport à aux quelques millions consacrés, enfin centaines de millions pour France Télé et TF1, qui font toujours depuis 15 ans les deux tiers du marché de la fiction française. Voilà, il va se passer quelque chose. Alors justement, si on en est un peu au stade des solutions, j'ai envie de vous montrer une vidéo qui est une interview de Yves Lavandier, donc consécutivement au site, évidemment, Parole de scénariste. Il est interviewé par un YouTuber qui s'appelle François Verger sur une chaîne qui s'appelle Philoscience. Et je vous propose de l'écouter. Quelles sont les solutions, en fait? J'imagine que vous avez réfléchi à ça. Oui, oui. Alors, grève en France, c'est pas possible parce que aux États-Unis, les scénaristes peuvent faire grève parce qu'ils sont tous syndiqués à la Writers Guild. Ils sont obligés, c'est une obligation. Et donc, quand la Writers Guild, leur syndicat dit demain, tout le monde se met en grève, vous ne pouvez pas trahir, vous ne pouvez pas travailler en douce et trahir la consigne, si vous voulez. En France, bien entendu, ça n'existe pas. Pourquoi on peut pas faire une Writers Guild à la française? C'est quoi le problème? Je sais pas, dès qu'on crée une norme en France, les gens descendent dans la rue pour défendre leur liberté. Alors, entre libertés individuelles et libertés individualistes, il y a parfois un petit fossé, mais bon, je sais pas, peut-être qu'on peut essayer, mais en tout cas, aujourd'hui, si certains font grève, d'autres prendront la place. Donc, je pense que c'est pas ça la solution. Ah ouais. En tout cas, aujourd'hui. J'ai du mal à imaginer pourquoi, enfin, aux États-Unis, où ils ont quand même la réputation d'être beaucoup plus individualistes qu'en France, et etc. Ils ont réussi à faire ça, et en France, on n'y arriverait pas, ça me paraît étrange. Non, parce que, non, alors, je ne sais pas s'ils sont plus individualistes aux États-Unis, mais en tout cas, ils sont plus respectueux de l'artisanat, des différents artisanats du cinéma. Nous, on est des artistes. Le cinéma, c'est un art, l'audiovisuel, un peu moins en France. Et on ne contraint pas un artiste. Un artiste est un être libre, vous comprenez? Bon. Alors, l'artiste, un être libre. Ben voilà je vais essayer de donner ma réponse au blogueur qui interrogeait Yves Lavandier, donc qui se trouvait un petit peu en peine d'expliquer pourquoi on ne pourrait pas faire une grève en France comme aux États-Unis. Alors, j'avais écrit, peut-être que Pierre-Antoine, tu mettras le lien, un article sur un site internet, je ne sais pas s'il est toujours référencé, pour expliquer la différence de traitement et de rémunération des scénaristes américains et des scénaristes français. Pourquoi la grève, ça marche aux États-Unis? Parce que, figurez-vous qu'aux États-Unis, ils sont dans une industrie de flux tendu. C'est-à-dire qu'on produit en même temps, on écrit en même temps qu'on produit, qu'on tourne. Donc si tout d'un coup, il n'y a plus de scénario qui rentre dans la machine de production, il n'y a plus de fiction qui sort. Ouais, il n'y a plus, pas de grève s'il n'y a pas de flux tendu. Voilà, donc pas de grève s'il n'y a pas de flux tendu. En France, le délai moyen pour entre le début d'une fiction et l'écriture, le pitch, le premier pitch et la diffusion, c'est 3 ans. Donc, on en revient au fameux quiproquo. L'auteur ici français pense que ce qu'il apporte, c'est son point de vue sur le monde. Non, la grève ne fonctionne que parce que en fait, ils apportaient de la vélocité, le charbon vélocité. pour faire brûler la turbine. C'est quoi. Exactement. C'est intéressant parce que quand on se remémore la fameuse grève des scénaristes aux États-Unis en 2007. Donc c'est une grève qui commence début novembre 2007, elle finit 3 mois plus tard à peu près début février 2008. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'au bout d'une semaine déjà, les producteurs savent qu'on est en train de bouffer la marge de manœuvre. Exactement. Pour sortir un épisode par semaine. Au bout de 2 semaines de retard, c'est super chaud, il n'y a plus de marge de manœuvre.
au bout de 3 semaines à 1 mois de grève, on sait que le calendrier est impacté. Ouais, au bout d'un mois, 1 mois et demi, on arrête la saison, voire la série, parce que c'est fini. Et je me souviens même de la collaboration des acteurs, où il y avait, c'était Desperate Housewives, qui était en arrêt de production, puisqu'ils n'avaient plus de scénario à tourner. Et Eva Longoria avait fait un petit truc humoristique où elle faisait du yaourt, quoi, en tournant, parce qu'elle n'avait plus rien à dire pour illustrer le fait que sans auteur, il n'y a plus de lignes à lire pour les acteurs. Donc, ça marche plus. Donc, c'est pour ça que, tout simplement, en France, on peut pas le faire. C'est qu'on n'est pas en flux tendu. On écrit avant de tourner et parfois bien avant, ce qui fait qu'on a des problèmes de décalage d'actualité, quoi. Les fictions, parfois, semblent un peu datées, mais parce que forcément, elles ont 2 ans de retard par rapport au moment où ça sort. Ouais, ceux qui pourraient vraiment se permettre de faire une grève efficacement, ce seront éventuellement en France, les auteurs de soap. Voilà. Voilà, eux, ils pourraient. Seuls en flux tendu. Voilà. Donc, mais comme c'est les seuls à avoir un super boulot bien payé, du coup, ils vont pas aller faire une grève. Et évidemment, et on sait très bien, pour. Et d'ailleurs, les scénaristes de Plus belle la vie n'ont pas fait grève. Non, et puis quand ils voulaient récupérer les droits dérivés. Et puis pour être allé voir et connaître les producteurs des groupes qui diffusent ces soaps, etc. Et ils ont parfaitement conscience de l'apport de ces auteurs et ils les traitent. Quand même, somme toute, assez bien. Et c'est un volume horaire considérable. Voilà, oui, et c'est un volume horaire. Ils ont mis tout un dispositif en place. Rappelle-toi notre rendez-vous, voilà, avec c'était à Telle France, je crois qu'on était là. Voilà. Voilà, donc non, c'est clairement pas la solution. Alors, quelles sont les solutions possibles? Ouais, si on devait un peu partir sur des pistes, est-ce que c'est la liste noire? Parce que sinon, non, mais sinon, sincèrement, aucun producteur ne passe le crible de la liste de la. Aucun qui est parfait. Voilà, aucun ne sera parfait. Ils sont même soumis à des contraintes, ce qu'on a tendance à oublier. Exactement, parce que eux-mêmes doivent vendre à des diffuseurs, et donc ces guichets étant limités, restreints et essayant de tout faire. Sauf de produire de la fiction française, leur travail est parfois un petit peu compliqué, donc on peut les comprendre aussi. Les tribunaux, si vous voulez vous épuiser, nous on s'est on a testé ces 7 ans de procédure pour des gains aléatoires. Moi j'ai encore une procédure là que je ne suis pas partie prenante, mais un scénario que j'ai écrit, une productrice veut obtenir réparation. Qui a été évincée. Bonne chance. Ça fait déjà. C'était satisfait de ton scénario, mais elle-même n'arrive pas à obtenir gain de cause. Elle s'est fait évincer du projet, tout simplement. Donc parfois même les producteurs se font évincer. C'est ça. Et ça fait 5 ans. Voilà, donc 50 procédures et il y a même pas le premier jugement. Et des juges en plus pas forcément très au fait. Oui, et puis pas forcément très à l'aise avec les histoires, avec les histoires de plagiat, les histoires de se faire évincer, de qui a raison, qui a parlé, qui a dit, qui a voilà. Donc toujours très délicat et en plus le rapport de force là, vous vous battez contre des. Si vous êtes auteur seul, vous vous battez contre des sociétés qui sont parfois au CAC 40, donc qui ont une batterie d'avocats, et vous derrière, vous allez avoir, sincèrement, c'est pas la solution, voilà. Non, mais de toute façon, quand on demande à légiférer, ce sont les outils du faible. Je veux dire. La solution au problème, c'est de devenir puissant. Il y a un rapport de force. Comment devenir puissant? C'est de, comme je le disais déjà, de comprendre qu'il faut changer de paradigme et que on est dans une industrie et le scénariste sera respecté quand il aura un savoir-faire qui sera indispensable. À partir du moment où on est la seule personne qui embête tout le monde, puisque on fournit le charbon pour pouvoir que tout le monde puisse croquer au gâteau, et il faut un scénario pour justifier toutes les aides et pour justifier ce que va faire tout le monde. Et c'est très long à écrire, il faut 3 mois minimum pour un scénariste pour sortir telle ou telle chose. C'est sûr qu'il y a vraiment une animosité. Je pense que la solution vient d'un savoir-faire. Si vous mettez en place un savoir-faire de développement digne de l'industrie, c'est-à-dire inspiré des modèles de showrunning américain, si vous êtes capable de développer en une semaine, un épisode complet d'une série. Sur la base d'une Bible. Est-ce que vous imaginez que vous allez être maltraité par le producteur? Le producteur qui a des contraintes,
qui est dans une industrie, voilà, il n'a rien à faire de votre savoir-faire, enfin, comment dire, il n'a rien à faire de votre univers d'auteur, mais si par contre vous êtes capable de lui livrer avec cette célérité le scénario dont il a besoin, vous imaginez l'impact si vous êtes capable de fournir en une journée un séquencier d'une structure abordée avec lui en lui disant, bah voilà, on a le séquencier. Bon, après, peut-être qu'on pourrait éventuellement tester une autre solution que moi j'ai en tête. Vous allez avoir un rapport de force qui va changer. C'est-à-dire que, à mon avis, le meilleur moyen d'en sortir par le haut, c'est d'avoir une telle vélocité d'écriture. Une technique, parce que l'idée, c'est de fournir des structures qui fonctionnent, pas d'écrire des dialogues à la chaîne. Non. Voilà. L'idée, c'est de fournir vraiment quelque chose qui tient la route, une base sur laquelle discuter. Voilà. Et à ce moment-là, le rapport de force va changer. C'est pour ça qu'on a créé iConcept. Notre modèle agile, on l'a créé principalement pour ça, pour établir un langage commun entre tous les acteurs, les créateurs de contenu. À partir du moment où vous n'avez pas de langage commun avec votre producteur, il ne va pas vous respecter s'il ne comprend pas ce que vous faites. Donc, et puis pire que ça, tous les scénaristes ont connu la situation où ils ont un producteur qui manque de peau. Voilà, lui, il a été à Trouby, il aime Trouby et il va employer le langage Trouby. Puis, 2-3 jours plus tard, il va avoir une réunion avec un diffuseur et le diffuseur, lui, ça y est, il vient de lire le dernier ouvrage d'un tel et il va employer tel modèle. Bon, il faut être capable de s'adapter. Voilà, donc il faut un modèle, un langage commun tout terrain. C'est ce que nous, on a essayé de mettre en place. Notre modèle d'écriture, il est pour pouvoir permettre à toute personne qui est tout professionnel, quel que soit son, je dirais, son bagage en termes de dramaturgie et ses obsessions, lui permettre de discuter avec d'autres. Et surtout, être capable de récupérer les meilleures techniques d'écriture de showrunning pour pouvoir délivrer du contenu de qualité rapidement. On n'écrit plus au XXIe siècle comme au XXe siècle. À partir du moment où tous les scénaristes professionnels auront ce savoir-faire, le rapport de force il va changer. Un producteur, pour l'instant, s'il vous parle mal, c'est qu'il a la sensation qu'il pourrait faire mieux. C'est tout. Donc en disant ça ou va. Ou qu'il n'a pas envie d'investir en vous parce que vous ne lui rapporterez pas grand chose. Que d'autres pourraient faire. Quand il achète un nom, au moins il a un nom, même si c'est mauvais. Voilà. Et on va dire aussi une chose, c'est que en fiction, il y a des éléments subjectifs, le goût d'un tel ou un tel. Le but de l'auteur, c'est de. En fait, voilà. Je réponds à cette question comme je répondrais à mon fils qui me dirait comment est-ce que je peux devenir scénariste. Le meilleur conseil que je pense qu'on peut donner, c'est de comprendre que quand on est scénariste, on vend malgré soi. On doit être capable de donner quelque chose qui est tellement puissant, qui a tellement d'intérêt pour le producteur, qui va le prendre même s'il n'a pas envie de travailler avec vous. Parce qu'il n'a pas envie de travailler avec vous, puisqu'il y a un gâteau qui est déjà partagé par des scénaristes qui travaillent. Personne ne veut de vous. Donc en fait, quand on est scénariste, personne ne veut de vous. Maintenant, il faut imaginer ce rapport de force, comment l'inverser? Eh bien, si vous avez une structure évidemment ultra performante, par exemple, un exemple très concret, on est sur un marché ultra concurrencé, 80% de la fiction mondiale est policière, c'est le genre le plus concurrencé. Si demain vous venez avec un concept de série policière originale, c'est une vraie rareté sur le marché. Et si en plus vous êtes capable de développer les épisodes à la vitesse éclair et que vous dites au producteur, tiens, si ça te dit dans une semaine, je te propose l'épisode, machin, même s'il ne veut pas travailler avec vous. Oui, même s'il veut vous adjoindre trois co-auteurs, le temps qu'il les recrute, vous aurez déjà écrit 2 épisodes. Vous comprenez? Et s'il vous a lu et qu'il se dit, ouais, finalement c'est pas mal, et puis finalement vous me coûtez moins cher que ma star que je vais devoir courtiser pendant 3 mois. Ça permet une plasticité du projet. Exactement. Le producteur a des remarques, on peut les traiter rapidement. Et même si à la fin. On n'est pas pour le scénariste dans un surinvestissement émotionnel. Exactement. Parce qu'on a pas passé un temps fou. Exactement. Sur lambda. Et ça permet aussi d'avoir plein de projets. Qui fait qu'on est capable de, ok, tu n'aimes pas ce projet, tiens, voilà un autre projet. Tu n'aimes pas ça, je le fais au cinéma. Ok, peut-être celui-là, je le ferai en BD. Peut-être celui-là, je le ferai en roman. Peut-être celui-là, je le ferai. Ça permet une plasticité pour l'auteur qui aussi est moins dépendant d'un seul guichet.
Ouais, voilà. Donc en fait, il faut vendre une technique et pas un point de vue. Le Exactement. Point de vue, pourquoi c'est le pire conseil qu'on puisse donner, à mon avis, à un auteur, c'est de lui dire, ouais, tu dois développer ton univers personnel. C'est qu'on a tous un univers personnel, même si on veut pas le travailler. Tout le monde ici, tous les gens qui écoutent la vidéo, a sa singularité. Donc, je veux dire, c'est quelque chose que justement, on ne peut pas vous retirer. Donc, c'est pas à travailler, vous l'avez. Effectivement, vous pouvez vous connaître. C'est ça. Ce qu'il y a à travailler, c'est la technique et faire en sorte que les autres avoir ce que les autres ne peuvent pas avoir facilement. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est de gagner la course du sprint en voilà. ayant une structure qui tienne la route. Parce qu'effectivement, le but n'est pas d'écrire pour écrire. Et c'est ça que nous, on essaye de valoriser chez iConcept, parce qu'on ne pourra jamais vous le retirer. Et surtout, si un guichet ne marche pas, vous allez à d'autres guichets. Des fictions qui sont bonnes, elles tournent, elles vivent très longtemps. On vous rappelle parfois sur des projets, ah, je pouvais pas le faire, mais ah, ton projet m'est resté dans la tête. Mmh. Ah, mais j'ai pensé, ah tiens, j'ai une nouvelle commande, t'as réfléchi à tel sujet, etc., etc. Donc ça vous fera toujours travailler. Voilà, donc c'est la technique, c'est la bonne réponse. Je vais donner un exemple très concret, sans citer de nom. Je suis consultant, on a un de nos clients, une série qui se développe. Et puis, il y a eu une crispation typique qui pourrait figurer dans Parole de scénariste. C'est-à-dire que le producteur a reçu le concept, la Bible ainsi travaillée du scénariste, et il s'est senti de modifier quelques phrases. Donc, il a dit, bon, voilà, j'ai modifié ça, c'était quand même maladroit. Il a changé des verbes, des choses comme ça. Et puis, par ailleurs, encore plus malheureux, le coproducteur américain a renchéri en disant oui, et puis le one-liner sur la page de garde, ça s'écrit pas comme ça, je vous mets des one-liners de grands projets comme Matrix, etc., inspirez-vous. Bon, bref, camouflet total, grosse claque du scénario. Oui, c'est quelque part peu respectueux, d'accord. Maintenant, comment sortir par le haut? Ben, comme disait Julie, connaître parfaitement l'état du marché et où on est, où on se situe, quel est le savoir-faire, et faire preuve de technique. Ici, la solution a été très simple. C'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le projet n'a pas le droit de sortir du bureau ainsi. C'est-à-dire que tant que le scénariste n'a pas validé les modifications, il s'agit de plagiat. Parce que, enfin, plus exactement, en tout cas, l'œuvre ainsi modifiée sans l'accord de l'auteur n'est pas légalement utilisable. Donc, en fait, il s'agit de prendre ça comme des propositions de modification. Le scénariste rebondit avec vélocité et avec un savoir-faire. Il dit, merci de vos propositions. J'ai pris certaines propositions, d'autres ne me plaisaient pas, mais du coup, ça m'a permis de faire ceci, cela. Et en fait, il a rebondi avec une vitesse éclair en montrant qu'il était le maître des choses, qu'il a pris certaines remarques, retiré d'autres. Et puis finalement, il a transcendé la chose avec un document qui est meilleur. Il est respecté, il a rétabli le respect. Voilà. Donc, la technique, c'est la seule façon d'être respecté, c'est ça, je pense. Et ça sert de mot de la fin, en tout cas, voilà. C'est une note d'espoir. Et puis après, quand vous serez une star, vous pourrez vous manger, vous pourrez imposer vous-même vos desiderata. Voilà. En tout cas, c'est intéressant parce qu'il y avait pas mal de. Disons qu'il y avait une vision assez négative, un peu sans espoir, où même le dialogue social était réputé bloqué, même au niveau de la guilde des scénaristes. Et en tout cas, de proposer une stratégie à la fois individuelle, voire collective, pour les auteurs à travers la formation et pour accéder à de nouvelles méthodes d'écriture. Effectivement, ça peut être une planche de salut. Et en tout cas, je dirais, on n'a pas le choix, en tout cas dans un marché qui un jour sera quand même obligé de s'intéresser au contenu. Il ne faut pas prendre les choses trop personnellement. Vous savez, dans les films, on dit, quand des tueurs tuent, je ne sais quoi, ils disent ce n'est pas personnel. c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que le producteur, ce n'est pas personnel quand il critique ou quand il... Voilà, c'est juste parce qu'il veut vendre. C'est comme l'agent immobilier qui veut vendre son bien. Il veut vendre, quoi qu'il arrive. Il y a tellement peu de projets qui se font que s'il arrive à le faire... peu importe les desiderata du scénariste ou je ne sais quoi. Donc, il faut que vous l'aidiez, que vous lui fassiez la passe, que vous lui serviez, qu'il puisse s'appuyer sur vous en disant, attends, la phrase a pas plu à un tel ou un tel, change-moi la phrase vite, et que ça soit justement quelque chose de vertueux et non pas une bataille de bras de fer. Éviter la guerre de tranchées, parce que de toute façon, le scénariste va perdre.
Même dans les contrats, souvent vous avez cette phrase, en cas de désaccord persistant, le producteur prendra la décision. L'avis du producteur prévaudra. Voilà, l'avis du producteur prévaudra. Donc de toute façon, ne perdez pas votre salive ou votre énergie ça fait jamais plaisir quand on vous dit que c'est pas bien ou que ça plaît pas ou que etc etc. C'est simplement un symptôme et donc il faut améliorer. Et souvent quand on améliore, on se dit ah bah oui finalement j'ai amélioré mon document. Il y avait un problème ou il y avait quelque chose que j'avais pas vu etc etc. Et c'est un dialogue. Donc ils sont contributeurs que vous le vouliez ou non. Donc autant l'accepter et en sortir par le haut plutôt que de se battre à couteau tiré et pour perdre en fait. C'est un peu ça le mot de la fin, je dirais, chez nous. Eh ben merci Julie, merci Cédric. On avait même la présence inopinée d'un petit bébé, mais qui était très sage globalement. Voilà. En tout cas, si vous l'avez entendu, ce ne sera que pour égayer la diffusion. On vous propose de vous abonner, évidemment, de réagir en commentaire. On a tenu, évidemment, un propos personnel. Qui n'engage que nous, mais néanmoins engagé. Voilà, donc si vous avez des remarques, si vous souhaitez nous apporter la contradiction aussi, n'hésitez pas. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir.